bulletin de la journée pour ce mercredi 31 janvier. Bon après-midi. Dans le bulletin aujourd'hui, bateau qui pirate somalien tient point otage dans la rive côte basse garde la côte bon matin. C'est bateau Topaz qui n'excorde li. SCCS et Transparency Initiative, une dans autres réactions, l'opposition CCL, l'index perception corruption qui fait publier hier. Nous à présent passons au bon détail. Sa bonne position qui s'est Céline gagné l'index perception à travers le monde, y a l'accomplissement pas juste pour commission anticorruption, mais pour pays en entier. Député commissionnaire en corruption et anticorruption Denis Joubert type cause après que l'organisation Transparency International donne Cécile 71 points le 100 et place le 20e dans le monde dans l'index perception corruption. Ça l'index si il m'a un achievement pour commission anticorruption mais seulement il va m'a un achievement juste pour commission anticorruption, il m'a un achievement pour pays en général à cause ça l'index il est regardé. Il prend l'information dans un pays en entier. Qui m'a dit contribuer pour la guerre contre la corruption dans un pays. Définitivement, la commission de corruption ne sont pas posées. À cause de ça, l'index, il sert de trois sources. Et c'est ce qui est mesuré en servant trois sources. Et ces trois sources, c'est pour faire avec stabilité économique, après conditions pour faire business CCL et la santé, la démocratie vis-à-vis de la corruption dans un pays. Et premier index qui n'a pas fait avec l'intelligence économique, lui qui fait, il regarde qui quantité policier qui a mis en place pour empêcher la corruption, il y en a, qui quantité prévention un pays puis fait, et là il s'aboute que comme chance corruption y entre. Nous peut faire un bon travail prévention, nous peut faire sensibilisation, nous peut encourager bonne institution pour mettre en place bonne policier. Et de plus, nous voyons beaucoup de beaucoup ben ministère pour mettre en place beaucoup de ben structures, de ben policiers, de ben procédures pour faire ainsi que l'économie est protégée contre la corruption. Après, il y en a un bout qui est pour faire avec les conditions business d'un pays. Et le ben business, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont investi dans le pays, définitivement, ils ont besoin de faire recherche dans ce pays. Ils ont servi à l'index aussi pour regarder. Et ils ont une éducation, ils ont besoin de qui quantité de carré protégé dans sa pays, faire si qui autre business pas gagné affecté avec corruption. Et l'autre bout qu'on a pour faire avec la démocratie, ça y est, on a pour faire qui nous guetter si bon pays, gouvernement, bon l'agence qui enforce la loi, Paris anti-corruption, est-ce qu'ils ont gagné influencé avec bon forme corruption? Qu'on a pour faire avec gousse, qu'on a pour faire avec vol. Et pour dire, c'est ça l'année, il ne fait plus bien de sa domaine. L'année passée, nous n'avons pas fait autant bien de sa domaine. Et ça, il y a un endroit qui nous fait plus bien, qui nous aide, qui nous score, il vient un peu plus meilleur. Et nous n'avons pas 6 points, qui est un grand changement pour qu'il n'y ait pas d'un bon état pour arriver, pour ça, pour la démocratie. Ça veut dire, montrer pour dire, nous, dans l'institution, il y a assez fort pour lutter contre la corruption. Et si vous pouvez dire, Paris anti-corruption, nous restons forts dans nos mandats, nous restons forts par nos bonnes valeurs qui disent, nous ne laissons pas nous gagner influencer par politique, nous ne laissons pas nous gagner influencer par personne pour nous faire notre travail. Transparency Initiative Station, CIS, il dit qu'il est assez satisfait avec la position sociale, le salaire d'ex-perception corruption que Transparency International fait. Audrey Annette, un membre TIS, il dit que sa position Cécile, il reconnaît beaucoup l'initiative qui a été l'année passée, par exemple, participation de coalition pour l'intégrité et aussi l'initiative Open Government, côté pays, il fait beaucoup d'engagement pour joindre sa bonne standard. Il dit que malgré qu'ils sont assez satisfaits, ils croient que Cécile est capable de faire plus bien. Nous avons rating avec ranking Cécile. Nous avons dit que Cécile est premier de la région selon une 7. Nous pouvons venir modèle pour un bon pays, l'Afrique. Mais seulement nous avons qui, le côté amélioration, c'est tout le côté, par exemple, nos legal framework et aussi beaucoup la loi qui est capable de mettre en place la comptabilité, la bonne gouvernance et aussi la transparence de Paris, la façon que le gouvernement est massé. Qui déjà certains points qui fait sortir par exemple les bonnes reviews qui ne passaient l'année passée nous qui nous t'cap fait beaucoup plus mieux
et nous sommes capables d'améliorer nos ratings un peu plus. Et les mon cause par exemple, le bon la loi, mon cause par exemple, Human Rights Commission qui fait sortir et résultat sur review qui fait le bon la loi qui relie avec Human Rights c'est l'overall et donne cette recommandation. Et aussi nous par exemple, c'est une review qui tingle masga il fait indépendamment le Access to Information Act qui c'est un workshop qui nga fait recommandation nga fait et nous pas nécessairement connaît côté qui existe sur arrivé avec bon amendement qui nga proposé nous a pour dire vu que nous le pays qui est structuré en place nous tika fait beaucoup plus mieux. L'autre point qui m'a fait ressortir, c'est tout le côté de la loi et around whistleblowing a framework et son related law qui nous a qui il paye la loi difficile pour mettre en place mais il y a la loi qui pour aider détecter l'instance corruption de gouvernement et pour permettre nous performe plus bien le salaire d'ex, mais seulement aussi strengthener nos capacités qui nous en ont, Cécile. Ça, 6 membres d'équipage, bateau Sri Lanka, et 6 pirates somaliens escortés par bateau Garde-la-Côte Topaz, ils arrivent côte base Garde-la-Côte la bon matin. Ministre d'Affaires internes au commissaire Sri Lanka, brigadier la force défense et commissionnaire et député commissionnaire la police, Tilobas garde la côte pour voir l'arrivée sa bateau et l'équipage. Nous rappelons qu'il par garde la côte qui garde la côte qui était intercepté sa bateau Sri Lanka qui suspectait pirates somaliens qui prend otage. Hans Radigon est directeur l'opération côte base garde la côte. L'opération commence samedi après-midi. Nous avons l'information sortie côté l'opération Sri Lanka, Navy. Et de suite, nous sommes déjà bateau avec avion qui peut patrouiller dans nos CCL, IZ. Et nous dirigeons nos bateaux vers la position côté sa bateau Sri Lanka qui est supposé gagner hijack. Par un pirate somalien, ça qui est l'information qui est sortie, qui nous a gagné. Et from there on, il prend à peu près 1 jour et demi pour track sa bateau, guetter qui la route il peut faire. Et nous avons aussi notre aide de l'eau Cécile, de l'eau IZ. Et là, from there, nous guetter un peu situation du bateau lui-même, qui m'a été, nous avons posé lui, avec tout précaution. Et nous avons dit qu'il y a 10 personnes armées à bord. Okay. Et le temps n'avait pas plus près, nous remarquer pour dire nous suspecter ça bande de monde bon pirate somalien. OK. Et ils ont donné un peu résistance pour détoiler le temps à peu près 5 6 minutes. Cause de panne arrêt bateau, ils ont essayé tirer un peu coup de feu le bateau Coast Guard. Mais seulement ça vite moi quand ils mettent en bas contrôle par nous bon de monde assez expérimenté le bateau. Avec Special Forces, en même avec Dimon Coast Guard. Et nous prenons contrôle ce bateau vraiment vite. Et heureusement, nous n'avons pas gagné aucune casualité à cause. Parce que nous connaissons l'opération, une opération très délicate. Nous avons des hostages et des Dimon qui sont armés et les autres pareils pour faire n'importe quoi. Hostages, il y a 6 PC Sri Lankan et pirates, il y en a 3. Nous avons détenu les autres le bateau premièrement et là les autres arrivent à la côte Coast Guard. Nous avons les autres avec la police pour la zone de process et il y a pas rien de CIFCOP organise Harmony Week depuis les premiers jusqu'à le 7 février. Ça la semaine est célébrée à travers le monde, première semaine février, pour célébrer un culturisme et diverses la religion qui fait Cécile une nation harmonieuse et vibrante. Interfaith Harmony Week est célébré à travers le monde depuis en 2010. C'est le roi la Jordanie, Abdullah D, qui te propose à la semaine avec Nations Unies, avec BI pour encourager les différentes nations à travers le monde pour un dialogue qui promouvoit la paix et l'unité et aussi un environnement harmonieux pour tout individu dans la société. Activité principale y est la masse, samedi le 3 février, qui pour commencer côté sentier Bois-Père, derrière Domus, qui t'y gagne inauguré en septembre l'année passée, après travail, réhabilitation, qui t'y fait le sa sentier. Un bon moto qui t'y encourage création sa la semaine pour
pour en harmonie dans nos pays, à travers le monde, c'est qu'il est basé sur ce commandement. Quant au bon Dieu et quant au voisin. Okay? Toute la religion, il devrait être en ça comment elle est son fondation. Regardless qui la religion a été. Si la religion, il manque sa pilier, il part et la religion. Premièrement, ce que nous faisons, c'est que nous envoyons une lettre côté ban ministère, côté ban département, côté ban l'organisation privée aussi, pour informer les autres qui en ont une semaine qui, nationalement et aussi internationalement, ils aident pour créer une société qui est plus harmonieuse, qui est plus goût pour vivre. Et alors, nous informons les autres le qui bonne activité ils sont capables de faire. Par exemple, ils sont capables de faire bonne panel discussion, sont capables de faire bonne activité culturelle, sont capables de faire bonne exhibition pour bonne l'école par exemple, nous pouvons encourager pour faire bonne l'exhibition, bonne activité qui est capable d'emmener bonnes enfants ensemble, même qu'il est pourri mais qu'il est sait, il est dédié pour ça, nous pouvons encourager nation CCL entier, Pepsi CCL entier pour extendre pendant l'année entière. Tim No Limit, il fait une donation plus qui 200 000 roupies avec l'hôpital St. Mary's, la digue. Ça, il a un qui ramassé avec Challenge Kayak, les Tourmaé, qui Frédéric Ladoucet, tu fais en novembre l'année passée. Présentation tchèque, tu fais pendant une cérémonie, côté l'Union Estate récemment. Le tour d'un kayak au Tourmaé, dans un zoo, il challenge qui Frédéric Ladoucet, tu fais en novembre l'année passée. Mais ce challenge, c'est pour ramasser l'argent pour donner aux enfants l'hôpital Saint-Marie, la digue. M. Ladoucet dit que ce challenge est un qui n'est pas facile, mais toujours pareil pour participer dans les autres challenges qui pourraient aider la communauté. Ce challenge, c'est tout maillé, mon chouali, à distance. Un sens, c'est quelque chose de personnel pour me régler puis la santé à un certain âge et retirer des kilos. Et ça m'a fait bien à cause de ce challenge. Je me suis mis un peu de temps sur les côtés. Je n'ai pas besoin de retirer cap. Mais seulement, mon noir, il y a un progrès qui est arrivé. Et deuxièmement, le sport, toujours, il y a quelque chose qui m'a aidé avec la santé. Je me suis fait de sa sens qui, pour mettre la communauté ensemble. Pour la masse de la communauté mettre ensemble, faire bon zimoun, pour dire nous besoin un moment donné, redonner paix, ça qui nous gagne, mais donner pour une bonne cause. Monsieur Ladoucet, ensemble avec le team No Limit et la digue, qui organise cette activité, qui présente l'hôpital Saint-Mary, c'est l'argent qu'ils ont ramassé pendant ce challenge. Des cérémonies qui t'y fait côté grande case l'Union, je tiens aussi remercier les sponsors et participants qui n'aident de ce challenge. C'était le directeur du service de la santé communautaire, Mme Marilyn Lucas, qui a accepté sa chèque de 111 834 roupies qui pour aller pour les enfants l'hôpital La Digue. Mon croyant, bon, générer donations qu'ils ont fait et nous, comme bon travailler la santé et le ministère de la Santé, nous pouvons faire ici que sa donation ait servi envers les enfants et surtout pour un bon programme de prévention pour les enfants. Le programme de prévention est vraiment important. Et nous, les nous faisons nos conférences aussi, nous disons beaucoup de bonnes activités pour viser envers la prévention, la santé. Et je suis bien content qu'il y ait des enfants, et nous tous nous connaissons nos bonnes enfants et nous les cœurs. Et nous sommes bien content que sa donation y aille envers nos bonnes enfants, la digue. À part sa donation financière, l'hôpital Sainte-Marie la digue, il gagne les autres donations avec différents personnes de la communauté. Merci pour qui nous suivent. Continuez à passer bon la fin de la journée.